Bonjour madame, puis-je vous aider? Bonjour monsieur, dites-moi s'il vous plaît, quel gâteau d'anniversaire me conseillez-vous pour célébrer le mariage? Mon mari et moi fêtons notre premier anniversaire. Toutes mes félicitations madame. Alors, je dois préciser que pour ce type d'événement, nous avons quelque chose de spécial. Gâteau d'anniversaire au chocolat à deux genèses, à l'ananas et tout café. Tout ça semble délicieux. C'est combien? C'est 15 euros le kilo. Je voudrais alors un gâteau d'anniversaire de ce type, pesant 2 kilos. On a beaucoup d'invités aujourd'hui. Et quoi d'autre pourrais-je prendre sur les gâteaux d'anniversaire? Je vous conseille de prendre des bonbons fondants et des petites fourques à la noix de coco. Tous ces produits sont préparés dans notre propre laboratoire, donc ils sont frais et vont très bien à une telle fête. Oui, mettez un demi-kilo de chacun de ceux-ci, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, comme vous voulez. Vous désirez encore? Non, je voudrais simplement savoir combien de temps dure la commande pour le gâteau d'anniversaire. Il est 10 heures maintenant. Vous pouvez y revenir le prendre à 2 heures. Maintenant, vous devez payer une avance de 20 euros. Oui, voilà. Je vous donne ce ticket de caisse avec lequel vous pouvez enlever votre commande à l'heure établie. Alors, vous payerez aussi la différence d'argent. Oui, je vous remercie. Vous êtes très gentil. De rien. Je vous félicite de nouveau pour votre anniversaire et je vous souhaite bonne fête. Au revoir. Le client. Serveur. Le serveur. Bonjour, monsieur. Désirez-vous passer une commande? Voici le menu. Le client. Bonjour. Je veux une soupe de légumes, un rôti de porc et comme dessert, je ne sais pas. Que me conseillez-vous? Le serveur. Je vous recommande une glace délicieuse au chocolat et à la banane, des galettes au fromage et un gâteau aux pommes. Le client. Que c'est délicieux. Le serveur. Et à boire? Le client. Du vin rouge. Vite, s'il vous plaît. Car j'ai très faim. Le serveur. Bien sûr, monsieur. 10 minutes plus tard. Le serveur. Je vous ai apporté votre commande. Bon appétit. Le client. Merci. À la fin du repas. Le serveur. Ça fait 38 euros. Le client. Voilà ma carte de crédit et prenez 5 euros votre pourboire. Le serveur. Oh, je vous remercie et à bientôt. À l'arrêt de bus. Marion. Excusez-moi, madame.
Pouvez-vous me dire à quelle heure part le prochain bus pour Bucarest? La vendeuse. Oui, il part à 2 heures. Voulez-vous indiquer? Marion. Bien sûr, merci. La vendeuse. En aller simple ou en aller retour? Marion. En aller retour, s'il vous plaît. Dans l'autobus. Marion. Cela vous dérange si j'ouvre la fenêtre et je m'assieds ici, monsieur? Le monsieur. Non, pas du tout. Marion. Merci. À quelle heure arrive le bus à Bucarest? Le monsieur. J'espère que ce serait aux alentours de 3 heures. Marion. Ce bus arrête-t-il à Pitești aussi? Le monsieur. Oui, je le crois. De toute façon, il faut annoncer tous les arrêts. Le contrôleur. Présentez vos tickets, s'il vous plaît. Les tickets et les abonnements, s'il vous plaît. Puis-je voir votre ticket, monsieur? Marion. Le voilà. Tout va bien? Le contrôleur. Voyons. Oui, il est valable. Merci. Le monsieur. Je descends ici. Je vous souhaite une bonne journée. Marion. Merci. À vous aussi. Le contrôleur. Ici, c'est le point terminus. Nous vous prions de prendre tous vos bagages et vos effets personnels. Merci. Marius. Bonjour, docteur. Puis-je entrer? L'ophtalmologue. Oui, entrez, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Marius. Merci. Je suis venu vous consulter parce que depuis quelque temps, j'ai mal aux yeux et à la tête. L'ophtalmologue. Dites-moi votre âge et votre nom. Marius. Je m'appelle Marius Visconti, j'ai 35 ans. L'ophtalmologue. Êtes-vous allé chez l'ophtalmologue jusqu'à présent? Marius. Non, c'est pour la première fois. L'ophtalmologue. Je vais vous faire un test de vue pour me rendre compte de votre problème et puis on va voir tout ce qu'on peut faire pour corriger l'acuité visuelle, si c'est le cas. Marius. Bien sûr. Que dois-je faire? L'ophtalmologue. Il faut que vous lisiez les lettres et les chiffres sur le tableau qui se trouve devant vous, de haut en bas. Marius. A, B, F, H, 5, 8, 9. L'ophtalmologue. C'est très bien jusqu'ici. Maintenant, fermez l'œil gauche et lisez avec le droit le deuxième tableau, s'il vous plaît. Marius. 5, 6, 9, G.
L'ophtalmologue. Vous êtes sûr? Marius. Pas trop sûr. Je ne vois pas très clairement. L'ophtalmologue. Maintenant, fermez l'œil droit et lisez avec le gauche la troisième ligne, s'il vous plaît. Marius. 6, 9. Je ne vois plus. Ce serait en 2, peut-être? L'ophtalmologue. Ça suffit. Merci. Votre problème est la myopie. Il faut que vous portiez des lunettes en permanence. Je vous prescris une ordonnance pour lunettes. Vous avez moins 0,5 dioptrie pour les deux yeux. Elles ne sont pas grandes, mais les yeux ressentent l'effort que vous faites pour regarder et cela leur fait mal. Voilà votre ordonnance. Si vous ne portez pas de lunettes pour corriger ce vice de réfraction, votre problème de vue peut s'aggraver de plus en plus. Marius. Je vous remercie, docteur, et je vous souhaite une bonne journée. L'ophtalmologue. À vous aussi.